Bonsoir et bienvenue pour bonne nouvelle sport. Même si encore un l'année record la course windsurfing Maipralin pan gay cassé, mais bonne participant et organisateur in exprime zote satisfaction qui moyen sa l'événement in déroulé. De sa la course samedi, tu vois nouveau vainqueur Bertrand Lablache pour bonne senior, il remplace Jacqueline Longuila qui tu vainqueur l'année passée. Le côté junior, c'est Joshua Esther qui finit premier, tandis que dans kite surfing, c'est Dominique Dauphé qui t'y vainquait sa compétition. Moi, les spectateurs, moi, si y'en a divan, définitivement pour casser le record. Moi, j'ai souhaité aussi que mon ban youth, les autres finissent à cause de nous préparer, nous bien préparer. Moi, souhaité que les autres fassent bien, mon confident, qu'ils autres pour finir. Et oui, Bertrand Lablache, tu ne fais clair son intention de la course windsurfing Maipralin. Votre record est détenu par Stephen Stravens avec le temps 57 minutes 51.6 secondes depuis octobre 2002. Samedi, le temps est favorable pour sa 12 windsurfers, incluant Bertrand Lablache lui-même et son rival Jean-Marc Gardette, qui semaine passée a fini vainqueur National Championship Lopralin. Toujours parmi bonnes pralinois, ti bonnes windsurfers Lomae, Paris Mervyn Edmond et Danny Gertrude, toujours présents dans sa bonne compétition. Et parmi sa bonne seniors, ti aussi un bon athlète junior, pareil Joshua Esther, Vince Isidore et Austin Barbe. Et parmi autres, ti en a qui pour autres ti point première fois, puis al essayer un tel challenge. Aussi, ensemble avec sa 12 windsurfers, ti 8 kite surfers, qui pour un bon peloton, forme partie de cet événement Maipralin. Devant 11h bon matin, parcours sa 18 athlètes qui commencé l'eau en l'air et que divan assez favorable et la record pour battre c'était 57 minutes 51.6 secondes et dans 57 minutes 59.79 secondes c'était Bertrand Lablache qui pour passer premier avec seulement millisecondes pour casser sa record et avec 10 à peu près 1 minute plus tard, Jean-Marc Gardette y finit la course avec le temps 58 minutes 15.75 secondes. Donc, il prend deuxième position. Aujourd'hui, la course se déroule normal. Nous respectons, nous disons pendant 10 ans. Nous servons l'équipement Wellburn Senior, nous servons le Light Wind Gear, divanti faible. All along was ok, until le 9 mamel, la guerre, nous disons Jean-Marc Gardette, divanti tombe un peu, après, mon moment, mon problème, boum, tin descend. So, mon windsurf, comme ça même, c'est qu'on peut aller. Mais seulement, aujourd'hui, je voulais profiter de l'occasion, pareil, je t'ai dit auparavant, tout comme si mon bon youth, mon very proud of them, comme si je t'ai fini ça la course, pareil, je t'ai respecté tout pour finir, nous bien préparé, moi-même, je suis very emotional, les autres peuvent finir, comme si, right now, je peux causer les autres, je suis émotionnel, mais ils disent ce qui m'a dit, il y en a un halle en vie et. I'm very proud of them. Avec un temps 57.83 minutes, Jacqueline Longuila y prend troisième position. Du côté juniors, Joshua Esther y finit premier avec un temps 12.36 secondes. Ouais, mon sentiment fier pour casser un record. Qui m'a aidé à tirer? Divanti rough, seulement Divanti pelai. Suivi par Vince Isidore avec un litan inétant, 14.17 secondes, et troisième junior, T. Austin Barbe, avec un litan inétant, 23.07 secondes. Bien si là, Zota Tina accompli, au moins finissa la course Maipralin. Windsurfers sorti Maé, Danny Gertrude, T. premier vétéran pour finir la course, mais en général, quatrième, avec un litan inétant, 6.43 secondes. Le côté kite surfing gagnant compétition National Championship semaine passée, Dominique Dauphé, il continue son domination de bonne compétition. Encore là, il finit vainqueur avec le temps inédit 15.09 secondes. La première fois, moi, je fais Maipralin. À présent, moi, je suis vraiment content qu'il passe le smoking cast record. Mon collègue, mon joueur athlète aussi, Nedi Radegon, il a aussi un cast record. Je suis vraiment content pour lui. À présent, il vient une plateforme pour nous tous les années. Nous sommes cassés tous les années. Nedi Radegon, il prend deuxième position avec le temps
21.57 secondes. Et Ed Paxton y finit de troisième position avec les temps en étant 32.39 secondes. Et toujours windsurfing, chairman SOIE, M. Alain Alcedo, il exprime son satisfaction envers l'événement et dit qu'avec niveau participation, il très encourageant que sa sport y reprend son ampleur et aussi pourquoi pas arrive au niveau international. Le temps est idéal et par exemple, on voit nous gagnons à peu près 10 windsurfers avec 6 kitesurfers. So la dans les kitesurfers qui van fini. So on croit vous dire la course il a assez bien déroulé. Est-ce qu'il en est prochain pour faire encore? Oui, il y a un annual event. Nous bise faire tout le temps tous les années. Mais c'est pas parfois il en a ban l'année quand nous pas le café, ça y raison n'a pas participant. Bon, mais c'est pas si on a participant et là ça l'enthousiasme qu'on a ban windsurfers et kitesurfers. Nous, définitivement, pour faire un autre la course en 1%. Et est-ce que vous pouvez imaginer faire sa compétition au niveau international, la côte, vous êtes capable d'inviter les participants dans la région? Oui, tout le temps, nous bien. Okay? Nous déjà organisé dans le passé. Ça risque au niveau international. Mais c'est moi, il y a un risque à aller avec, c'est l'effet qui, si nous programmons une semaine après, n'a pas dit. So, tout le temps, il y a un risque. Il est un peu difficile de parler pour les participants au Bossis, pour d'autres commis de l'école, pour des semaines, pour d'autres venir respirer. Et c'est là qu'on termine ça, un nouvel sport pour aujourd'hui. Merci pour qu'ils suivent et bonsoir.